Oh, j'ai bien mangé au resto, fait plaisir. On va pouvoir reprendre la route. Et quelle heure? 22h44. Oh putain, je suis en retard. Je crois bien parce que le patron il m'a envoyé un message, mais tac 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 tac. Ouais, 30 000, 9 minutes. Oh putain, on est en retard. On est en retard. Vous êtes là, vous? Oui, la GoPro est déjà allumée. Bah, décidément, on perd pas de temps. On perd pas de temps. Je suis à la bourre. Je suis à la bourre. Il flotte, tout va bien. On va démarrer le coucou. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour la suite de cette aventure. Sur ETS 2, full roleplay avec des mods. Par contre, là, on va se dépêcher. Je mets même mes petits warnings histoire de dire que je pars. Voilà, merci. Combien de GPS dit 13, 12 minutes. 12 minutes de route pour aller chercher la mission. On va se dépêcher, elle expire dans 9 minutes. Je sais pas si vous avez vu le tarif, mais 30 000 que ça paye avec 60 euros le kilomètre. On peut pas cracher là-dessus. Hein. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. On va mettre les essuie-glaces quand même parce qu'ils flottent. Non, excusez-moi pour les pleins phares. Ah ouais, là on va se dépêcher. J'espère qu'il n'y a pas les flics, on s'en fout, hein. C'est 50, mais là on veut pas louper cette livraison. Ah ouais, je me suis reposé un petit peu avant là. Et bah j'étais au restaurant là, j'ai même pas pu vous le montrer, bah, je suis désolé. Ouf, 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 tout va bien, tout va bien. Ah non, mais je peux pas louper la mission là, je peux pas louper la mission. Hors de question. C'est vrai qu'avec la flotte ça glisse, hein. On va se calmer, on devrait être dans les temps. Ouah, ça glisse à fond, les pneus, c'est ici. Où oh là là, les pneus sous la flotte. Ah ouais, ce camion, y a rien qui va. Même si je commence à l'apprécier un petit peu. Ouais, pour être franc avec vous, on a pas mal roulé. C'est où? C'est là-haut. Oh, j'espère qu'on est à l'heure. Ah, j'ai peur. Et puis y a un second portail, on n'a pas le temps. Ah ouais, on arrive à fond. Oh, je suis désolé, hein. Attention. On n'a pas touché. Oh, s'il vous plaît, on est à l'heure. Bonjour messieurs, c'est la Golden Transport, je sais, je devais arriver en retard. Ah là là, j'ai speedé pourtant. J'ai mis 13 minutes. Ouais, pourtant j'ai roulé à fond. Hein. Aïe, ouais, la livraison est partie, elle a expiré l'offre. C'est pas ça qu'on avait nous. Hein. Ah non, bah non. Ah là, le coup dur. L'énorme coup dur là. Oh, j'ai speedé pourtant, chef. Hein. Non, bah c'est gentil. Hein. Bah merci. Hein. Ouais, bah ouais. Il est minuit. Ouais, j'ai mis un quart d'heure. Même pas. Pourtant, hein, j'étais rapide. Hein. Commence bien ce troisième épisode. Bah écoutez, on va aller regarder le marché du travail, ce qui est aux alentours. Hein. C'est dur. Qu'est-ce qui paye Oh non, moi je vais pas en Bulgarie. Ouais, il y a ça qui paye 47 le kilomètre. Putain, on avait 60 le kilomètre. Hein. C'était énorme. Je suis un petit peu abattu. Hein. 22 tonnes, hein, c'est énorme. Hein. Ça va être lourd. Pour gagner 8 000, non, mais c'est ridicule. Ouais, mais là c'est loin. Là c'est très loin. Il y avait 30 000 à se faire, les amis. 30 000. Je suis un petit peu dépité, hein. Je vais être franc avec vous. Et puis, ouais, j'ai pas aux alentours, hein. Malheureusement. J'ai pas du tout aux alentours. Ouais, 86 euros le kilomètre, hein, ça fait rêver. Hein. Et bon, on n'est pas en Bulgarie, malheureusement. Je regarde s'il n'y a pas un truc pas loin, mais non, là où je suis. Non, hein, malheureusement, il n'y a rien du tout de là où je suis. Hein. Ah là là, ouais, remarque. Ouais, non, 2 heures, on n'aura jamais le temps d'aller là-bas en 2 heures. Hein. Ouais. Bah écoutez, après on peut refaire une sieste, hein. On peut refaire une sieste et puis attendre ce qu'il peut nous proposer, hein, dans les alentours, hein, parce que ...8 000, c'est ridicule. Ou alors on fait ça et on en fait une autre derrière, une livraison. En vrai, 47 euros le kilomètre, c'est pas déconnant. C'est un petit trajet en réalité, je crois bien. Ils disent pas la distance par contre. Si. Ah oui, bon, c'est tout. On se fait ça et puis on se fait un autre truc derrière, les amis. Allez, let's go, double livraison. Bah du coup, c'est pas ici par contre le chargement. Ah, c'est à 1 heure de route. Ouais, bah écoutez, je vais vous retrouver directement là-bas, hein, je pense. Hein. Ah, je pense qu'on va faire ça. Hein. D'ailleurs, je suis plus tout seul. Hein. Attention à ce que je vais caler. Ah, c'est bon. Hop.
J'ai le eye tracking qui est activé alors que je l'ai plus. Hop, c'est bon. Ah, parce que j'ai fait des tests de mon côté, mais le eye tracking c'est compliqué. Bah, il y a un nouveau qui est arrivé. Voilà, je l'ai trouvé sur le bord de la route en Roumanie. Il a pas de nom encore. Si vous avez un nom, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai aménagé un petit peu le camion, une petite couchette et tout. Maintenant, j'ai même mis une petite télé, tout ça. Ouais, ouais, il y a des nouveaux modes. D'ailleurs, si vous voulez savoir pour les modes, ça se trouve sur mon Discord. Le lien en description, et puis je mets à jour à chaque fois les modes sur la section ETS2 de mon Discord, tout simplement. Puis vous pouvez venir discuter avec moi, il n'y a pas de souci. Et bah écoutez, moi je vais aller là-haut. Hein. Je vais aller là-haut, et puis on se retrouve après, tout simplement. Allez, à tout de suite. Ouais, je vous retrouve là, on est en train d'arriver. On est en train d'arriver. D'ailleurs, je vais allumer les petites lumières de la cabine. Voilà, on y voyait un peu mieux. Et ouais, puis faites pas trop attention au mug Madrid. Ouais, c'est. On n'est pas pour Madrid forcément, mais bon. On va les soutenir pour la finale de Ligue des Champions quand même. Eh oui, coach Goblin du Westen Schalke, vous vous en doutez bien qu'il déteste le Borussia Dortmund. Donc, qui est le rival historique de Schalke. Donc, forcément, pour la finale de Ligue des Champions, on va soutenir le Real Madrid quand même. Enfin bref, petite parenthèse terminée, on est en train d'arriver à l'entreprise. C'est un endroit un petit peu sombre ici quand même. Hein. On y va tranquillement, la route c'est bien faite, hein, franchement, malgré la pluie, mais la pluie est en train de cesser petit à petit, donc c'est cool. Alors, attention au chemin de fer, voilà. Ah, puis je vous disais, ouais, ce camion, c'est sûrement la dernière fois que vous le voyez. On va sûrement changer parce que Roger, il compte agrandir l'entreprise, hein, et il compte recruter un nouveau chauffeur. Parce que finalement ça marche plutôt bien, hein, quand même pour l'instant, on se fait un peu d'argent. Et du coup on va sûrement donner ce camion au second chauffeur. Et moi je vais peut-être partir sans Iveco ou quoi, faudra voir, hein, ce qu'il y a sur le marché de l'occasion. Ou autre, ah c'est ici, normalement. Tac. Voilà. C'est ici que ça se ouais, on est arrivé. Alors. Tac. Bonjour messieurs. La Gobun Transport, j'espère que je suis à l'heure pour l'émission. Oui, tout à fait. Vous avez deux cargaisons. Bah voilà, c'est parfait ça. Finalement, ils ont pu ça expirer l'autre. Où on avait un petit trajet, donc on va faire qu'une livraison. Et en plus, ça tombe bien parce que j'aimerais aller par là-bas. J'ai de la famille. Je sais pas si on peut appeler ça de la famille, mais j'ai de la famille en Ukraine. Donc ça tombe bien parce que là, on s'en rapprochera. Donc ensuite, on pourra aller voir pour la famille en Ukraine. Bah du coup on va prendre celle-ci, hein, 16 000 hein. Fait 300 km. Ouais. Ça aurait été un peu long, puis la Bulgarie j'ai dit que je voulais pas y aller. Donc on va prendre cela, 16 000 hein, c'est pas déconnant hein. 50 euros le kilomètre, c'est bien. Il est temps d'aller. Alors attendez monsieur. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça non plus. Voilà, je baisse, tac. Je vous rends le formulaire monsieur, voilà. Ouais, c'est la remorque là, y a pas de souci. Merci. Bonne journée, bonne nuit, ouais, sort la bonne nuit, salut. Très sympa ici. Hop, on referme la fenêtre. Tac, alors mission court, on a atteint le restant 6 heures. Ok, la prochaine coupure en 8 heures, je regarde un petit peu les infos. Oui, bah, dégâts un peu importants du camion, je sais. Hein. Il y en a pour 180 000 euros pour le réparer entièrement. Hein. Et pour 70 000 euros pour réparer juste quelques pièces qui sont endommagées, importantes, mais bon. On fera pas les réparations. D'ailleurs, bonne nouvelle. Hein. Attendez, hop, je vous montre vite fait mon argent. On a 61 000 et on a remboursé le prêt. Ah ouais, Pilote Goblin il a charbonné pas mal. Donc attention, hop, c'est bon. Donc ah, je suis pas assez reculé encore. C'est peut-être parce que j'ai le truc activé, non même pas. Attendez, on va se réajuster. Voilà. Donc ouais ouais, Pilote Chauffeur Goblin il a bien charbonné. Soyez prudent. Hop, on attelle tout ça. Alors ça donne quoi la remorque. Ok, je connais pas du tout. Très bien, très bien. Ah, ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule quand même. Allez, c'est parti. On y va. Et la pluie, elle s'est complètement arrêtée. Hein, donc c'est cool. On va pouvoir couper les essuie-glaces. Et let's go. Let's go pour une nouvelle livraison. Merci pour le portail. C'est cool. Hop. À droite. Ah, en vrai, je suis quand même content d'être ici. Hein. Franchement, ça fait plaisir d'être sur les routes à nouveau.
Ouais, il y a encore un peu de pluie, hein, c'est léger. Bon, on va les laisser les espèces pour l'instant. À tourner à gauche. Et là, on est de nuit, donc il n'y a pas grand monde sur les routes, c'est cool. On va arriver sur le lever du jour, je pense. Parce qu'il y a quand même 5 heures de route. Je crois qu'il y avait que 3h30 de route. Je me suis pas trompé de livraison, j'espère. Attendez. Attendez, 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 attendez. Attendez, parce que là, j'ai peur, là. Je vais mettre sur le bas-côté, vite fait. J'ai peur, là. Quoi, j'ai pas fait une bêtise, j'espère. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Ah oui, non, c'était 320 km et ok, 5 heures de route. Ok, ok, ok. Tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien, je contrôle la situation. Je suis un professionnel de la route. Allez, c'est parti. J'espère qu'il n'y aura pas de déviation. Hein. Ouais, parce que les déviations. Hein, voilà quoi. Et pour ceux qui ont suivi l'épisode 2, où on était bloqué en Israël ou quoi, vous inquiétez pas, j'ai pu rentrer ensuite. On était bloqué dans une montée d'ailleurs. Foutu camion. Bah ouais, l'embrayage il est mort du camion, c'est un problème pour les montées. Mais ça c'est autre chose. Là ce que je voulais dire c'est que ouais, bah, j'ai fait la petite livraison d'Israël et tout, et puis ensuite je me suis barré du pays. Ah oui, j'ai pas traîné. Honnêtement, j'ai repris direct le ferry. Ça va, j'ai pu rentrer. Ils m'ont pas trop dérangé. Ils m'ont pas trop embêté, ça a été. Ça, quand ici on est bon. Tournez à gauche. Il y a le petit stop, on va quand même le respecter. Et oui, personne à droite, personne à gauche. Ouais, je confonds la droite et la gauche, c'est un problème. On peut y aller. J'ai testé du coup, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai testé un eye tracking. C'est bien. Mais bon, j'ai testé le eye tracking du pauvre. Ça fonctionnait pas oufement. Ça fonctionnait pas très bien. Donc il faudrait que j'achète vraiment... bah, un vrai eye tracking qui coûte vraiment cher. Celui-là que j'ai vu, il est à 300 €, mais le problème c'est que moi je joue un petit peu loin de ma télé. Vu que je suis au volant, tout ça. Il n'arrive pas dans la montée, on va rétrograder. Du coup, c'est compliqué pour installer un eye tracking, donc à mon avis, on va rester comme ça. Pour l'instant, après j'ai vu, hein, il y a les casques VR et tout, hein, c'est pas mal aussi, hein, mais bon, c'est très coûteux aussi. Là, c'est ici, très bien. Il y a vraiment personne sur les routes là, il est 1h15 du matin. On va arriver au petit jour, ça va être sympa ça. On va pas voir grand monde sur la route. Au rond-point, prenez la deuxième. Moi je pense que ça va bien se passer. Hein. Je vais peut-être baisser le GPS, là elle parle fort, j'ai l'impression. Sortez maintenant. Il y a un autre rond-point après. Très bien. Très 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 bien. C'est limité à combien? À 50. Ouais, on est un peu au-dessus des limitations de vitesse. Hein. Faut faire gaffe parce que les flashs, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Il n'y a personne, on peut y aller. Hop. Je monte un peu sur le trottoir. Sortez maintenant. Du rond-point, c'est pas bien grave. 50 ici aussi, très bien. On va se mettre le petit régulateur de vitesse. Mettre à 54. Voilà. Bon, du coup, ouais, faut lui trouver un petit nom au toutou là. Ouais, bah ça fait déjà 2 jours que je l'ai. Bon, il est sage. Attention, mes plafards, excusez-moi. Je lui ai acheté un paquet de croquettes l'autre fois là. Là, faudra qu'on s'arrête en boutique. Hein. Je sais pas si je vais m'arrêter là sur ce trajet là parce qu'on m'a dit tout est fermé à cette heure là. Mais demain, faudra. Que j'aille chercher des croquettes à nouveau parce qu'il bouffe, hein. Il bouffe plus que moi, c'est incroyable. Pourtant, moi je bouffe aussi. Hein. Sortez maintenant. Mais le sacré toutou, ah ouais. Mais ouais, faut lui trouver un petit nom à ce toutou là. Très très mignon. Ah, comme je vous disais, je l'ai trouvé sur le bord de la route en Roumanie. Il avait pas de collier. Il est tout de suite, je faisais ma petite pause. Tout de suite venu à mon camion et tout. Ouais, puis bah il voulait venir monter dedans, donc il est venu. Et puis bah voilà. Hein. Un chien errant, mais plutôt éduqué en vrai, parce qu'il est très mignon, très sage. 80 ici, très bien. On va pouvoir mettre le régulateur à 75, c'est très bien comme ça. Donc voilà, il est là. Hop. Bon, moi je suis moins seul. Ah oui, je me sentais seul. Moi maintenant je suis un peu moins seul. Il me fait de la compagnie. Ah, puis vous êtes là, vous, c'est cool.
vous êtes là. Les deux premiers épisodes ont un petit peu marché en vrai, donc ça fait plaisir. J'espère que la suite de cette aventure vous plaira. Toujours, ça tourne quand même ici. Hein. C'est bon, on peut laisser le régulateur pour l'instant. D'ailleurs, la 1.50 du jeu est sortie, mais moi je suis toujours sur la 1.49. Hein, étant donné que la promo n'est pas compatible, encore sur la 1.50. Et en plus, les devs de la promo ont un petit peu annoncé que ça prendrait plus de temps que prévu parce qu'ils rencontrent des difficultés. Donc, ça devrait être vers le mois de juin pour la compatibilité de la promo avec la 1.50. Donc là, moi je vais rester sur la 1.49. Je suis pas très fan des nouveaux menus de 1.50, après je pense que c'est question de s'habituer. Hein. Mais bon, on est très bien en 49 avec les mods et tout. Ah, n'hésitez pas, hein, si vous avez mis le jeu à jour, vous pouvez toujours basculer sur la 1.49 avec Steam. Ça c'est plutôt pratique. Allez, c'est parti, on rejoint l'autoroute, pas de déviation, ça fait plaisir, c'est déjà une première victoire. Hein. C'est déjà une première victoire, parce qu'on aurait pu se taper une déviation ici. Et... ça aurait fait mal. Ça aurait fait mal. Non, c'est bon, il n'y a personne, heureusement. Pour mettre les pneus phares vite fait. On n'est pas vraiment sur l'autoroute hein, pour l'instant, en fait. On est sur une espèce de voie rapide. Il y a encore. Ah, je connais pas ici en même temps. On découvre cette route et ça va pas mal tourner. On va ralentir. On pourrait pas abîmer le camion quand même. Non, parce que comme je vous dis, c'est sûrement mes dernières livraisons avec ce camion. Attention, attention. Et esthétiquement, il est pas éraflé le camion. Il a une belle gueule. Donc, pour le futur employé, si Roger trouve un employé, je pense qu'il va retrouver. Il va trouver un roumain pas trop cher. Voilà. Non, il faut dire les termes. Attention, je vais me rabattre. Le collègue, si tu peux ralentir un tout petit peu. Je suis désolé, merci. Merci, collègue. Merci. La garantie m'a laissé passer, ça fait plaisir. Ouais, je disais, du coup, ouais, le camion, on va essayer de le garder quand même en assez bon état pour le futur collègue. Et puis, puis voilà, hein. J'espère que ça se passera bien pour lui. Bon, il galère avec la remorque à monter au 90. Hein. Ouais. Ou qu'il galère. Hein. J'ai même pas... En plus, c'est limité à 100 ici. Ah ouais. 100 km/h pour les poids lourds. Paraît étonnant, tiens. Eh bah écoutez, on va monter à 100 km/h s'ils disent que c'est 100. Parce que mon GPS il est bien configuré, j'ai mis l'icône poids lourd, hein, donc tout va bien. Et d'ailleurs, je vous avais dit hein, que je crachais si je zoomais trop sur la carte, mais je savais bien que c'était le mode Google Maps, donc je l'ai retiré et puis il n'y a plus de problème. Hein. Je peux zoomer sur la carte et il n'y a plus de soucis. Je m'en doutais un petit peu que c'était le mode Google Maps. Tac. Bon, attends, je vais couper les pleins phares quand même. Parce qu'il y a du trafic en face, on va pas les aveugler quand même. En vrai, ça va vite se faire. Je sais pas si on a que de l'autoroute pour aller jusqu'à là-haut, mais ça va se faire plutôt vite. Bah ouais. C'est cool. Mais vous allez voir, on va se taper une déviation et ça va être moins cool. Ah non, faut pas. C'est quand même paisible la nuit. Hein. C'est calme. Il n'y a pas trop de trafic. Ouais, c'est plaisant. Par contre, il a du mal le camion. Là, on a fait une petite montée. Ouais. Il est revenu à 85 km/h. C'est bon, 95, on remonte petit à petit. On va sortir apparemment. Tenez la droite, ouais. Puis sortez à droite. Il ralentit fort devant. En même temps, on n'avait pas trop le choix de sortir parce qu'il y a des travaux ici. Bon, on quitte l'autoroute, mais déjà, on a fait un petit trajet en autoroute. C'était cool. En plus, c'était une portion gratuite. Eh, hey, on prend, c'est gratuit. Hein. Eh, hey, bien sûr qu'on prend. Attention, il n'y a personne, j'espère. C'est bon. Parce que ces embranchements comme ça, assez courts, ouais. Pas évident de savoir si on peut y aller directement. Poids lourd c'est là, de toute façon, ok. Très bien. Il n'y a personne sur la gauche, normalement on va pouvoir y aller. Quelqu'un aime les rétros, c'est bon. Ah, on arrive en ville, ok.
50 du coup. Oui, bah 50, je vais y aller hein, tranquillement, mais j'ai pas envie de freiner. On va pas freiner pour que surconsommer, etc. On se laisse couler. Puis eux, ils travaillent de nuit. Bah, en Roumanie, ça travaille jour et nuit. Hein. Ça charbonne. Hein. Ça charbonne. Le camion qui grince. Ça qu'on aime. Non, je peux rester comme ça. Niveau carburant, c'est bon. J'avais fait le plein avant de. Avant d'aller me reposer tout à l'heure et puis faire le petit restaurant. D'ailleurs, ouais, j'ai pas pu vous montrer le petit restaurant, mais il était sympa. Hein. Franchement, j'ai bien mangé, mais je me suis trop attardé. Et c'est dommage qu'on a loupé quand même la livraison à 60 euros le kilomètre. Hein. Quand même une différence de 10 euros hein. Par kilomètre, c'est énorme. C'est énorme. En plus, j'ai dû faire un trajet d'une heure et demie pour aller à l'autre entreprise. Mais bon, c'est pas bien grave parce que là, ça me rapproche de l'Ukraine. J'ai la famille Shepchouk que je connais très bien, hein. Que je dois aller rendre visite. Donc, ça tombe bien qu'on aille par là-bas. Après, quand même, l'objectif, ça serait de se ramener vers l'Europe centrale, quand même. Si à terme on peut se ramener petit à petit Pologne, Pays-Bas, Allemagne, France, tout ça, Belgique, je dis pas non. Hein. Je dis pas non. C'est une route, ça? Waouh! Ça fait peur, quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui me suit, en plus, j'aime pas ça. Hein. Doucement, doucement, doucement. C'est 80, mais il y a des virages donc on va faire attention. Parce que, hein, on n'oublie pas, hein. On s'appelle pas Monsieur Idée ici, hein. Ouais, on se retourne pas, nous. Ah, je sais qu'on va se prendre un retour de bâton un jour. On va bien se retourner avec la cargaison, ça va être beau. En tout cas, c'est une route, ouais, assez étonnante quand même, hein. On reste à 70, nous on va pas aller jusqu'au 80 parce que y a les virages et tout. Là on transporte 21 tonnes de cargaison, c'est énorme. Pour ce Mercedes, c'est énorme, il est à bout de sa vie. Oh, le camping-car, il fait quoi? Mais il fait quoi? Oh! C'est un malade! Putain, maintenant pour repartir. C'est un malade! Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, mais. Oula, attention, bah ouais, moi je le regarde. Mais arrêtez de me doubler! Bon, ok, c'est 80, je suis à 50, mais bon, lui il avait le temps, c'est une même voiture. Lui il avait le temps. Mais le camping-car, je sais pas pour qui il s'est pris, mais. C'est un assez bel passage. Est-ce qu'il y a du monde? Ça tourne. Je vois pas de phare, on peut y aller. On peut y aller. Ah non, non, pas question d'avoir des accidents. Ah, c'est la police. Merci, j'ai les pleins phares, pardon. J'avais oublié que j'avais les pleins phares. Bon, oui, bon, les flics ils sont foutés, ils m'ont pas fait d'appel de phare ou quoi. J'étais en train de les aveugler, tout va bien. Surtout que. Ah, attention, et hop, j'ai des petits phares LED bleus. Attention, je vais vous montrer ça après. Ils sont bien sympathiques, hein. Alors, je vais attendre que le virage passe quand même. tac. Pas si j'ai le temps de vous les montrer, voilà. Des petits, bah ça se voit pas trop en fait, mais j'ai des petits phares LED bleus. On va dire que c'est du xénon LED bleu, un peu bleuté. Mais il faut que je change aussi les halogènes de devant par contre. Ça, le mix, ça rend pas bien quoi. Tac, le régulateur va le mettre à 80. Et ben on arrive déjà bientôt, dans une heure. Ouais, franchement, ça se passe bien, moi j'aime bien. Ouais, il y a un peu de trafic quand même. Je sais pas, je suis obligé de couper mes pleins phares. Ah, on évite d'aveugler. Il n'y a que eux contre les flics. Je vais pas couper mes pleins phares. Bon, c'était la police, on s'en fout. Où ça va tourner après, par contre? Où ça va tourner? Sévère même. Ah oui. Ok. Notre client souhaite réceptionner la livraison dans les délais. Mais on est à l'heure! Mais j'ai pas traîné pourtant! Attention, parce que là ça tourne vachement. J'en ai même mis mon clignotant. Attention à la voiture de derrière. Oh putain! Ouf!
J'ai pas touché. J'ai eu peur avec la barrière, la rambarde de sécurité et la voiture. Ah non, mais le virage était serré. Et en plus, voilà, ça zigzag dans tous les sens. Mais on n'est pas en retard du tout pourtant. Attendez les infos là. Tac, tac, tac. Donc il nous reste une heure de route, ok. Alors on est estimé pour 6 heures. Attendez, je bascule mes infos. C'est pas ça. C'est ça. Alors. Attention le camion. Ouf, oh là là. Temps restant 1h37. Bah c'est bon, on est large, on arrive dans une heure. On a 37 minutes de battement. Par contre, ça monte là. On est plus que large. Il me faut stresser pour rien. Allez, retire tout ça. Oh non, mais ils sont graves. Ah, j'ai eu peur qu'on soit vraiment en retard. Hein, tout va bien. Eh, on respecte le code de la route, nous, hein. En même temps, pour eux, je pense que dans le trajet, ils estiment que je suis censé être à 80 ici. Ouais, bah, je suis un peu lourd. Il y a des virages à angle droit limite, même pire. Et troisièmement, le camion en montée, il a du mal. Hein. Donc on roule à 50, 60, on prend pas de risque, nous. Tranquillement. Et je m'énerve pas. Vous inquiétez pas, tout va bien. Allez. Ça va le faire. Allez tout droit. Hop. Voilà. Petit régulateur de vitesse. Et le soleil se lève. Hein. Il y a des jolis reflets. Hop là. Pareil. Dans l'épisode précédent, j'étais bridé pendant un certain temps en 60 fps. Bon, j'ai trouvé le problème, hein, c'est que mon jeu s'était mis en résolution upscalé en 8K. Non, bah reste en 4K, ça sera très bien comme ça. Donc forcément, les FPS avaient fortement chuté. Attention, c'est vrai qu'il y avait une petite différence graphiquement, mais c'était très léger. Donc là, on est au niveau entre 100 et 120 FPS assez fluidement. Fluidement, je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est plutôt propre et net. Attention à ce virage. Ouh lolo, j'ai regardé le rétro, on n'a pas touché, sinon on aurait eu la collision à 360€ là où je sais plus combien. Mais en tout cas ça s'est bien frôlé. Hein. Ah non mais c'est des petits chemins un peu montagneux qui donnent dans tous les sens. Il y a moyen qu'on arrive en retard. Ouais, 20 minutes. Attendez, faut aller arriver à quelle heure déjà? Tac, alors. Temps restant 50 minutes. Wow, c'est serré. Et nous on arrive dans un quart, 20 minutes. Non, c'est bon, on est large. On est large. Voilà. Donc tout va bien. On va arriver pile à l'heure. Ce qui compte, c'est qu'on touche pas. Mais c'est super étroit. Hein. J'ai pas fait encore de chemin comme ça. En plus, ça se voit pas trop hein, à la GoPro. Hein. D'ailleurs, ma GoPro s'est éteinte là-haut, mais bon. Je sais pas pourquoi. Pas bien grave. Mais ça se voit pas trop, mais ça monte. Hein. Ça monte. Hein. Moi, je le ressens. Le camion aussi, il ressent que ça monte. Hein. Je vais mettre la 7, mais ça va mettre. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah ouais, mais vous le savez, ce camion, il a des difficultés. Hein. Le moteur s'est coupé. Il a redémarré net. Bah, je vous dis, ça monte. Attention. Ouais, oh, j'adore qu'on va être avec un Iveco ou un MAN ou un Scania. Ça va être. Ça va être bueno. Allez, on arrive. Ça fait plaisir. On a eu quelques péripéties, mais rien de grave. On a failli avoir 3 accrochages. On a eu 0 au final. On arrive à l'heure en toute logique. Le soleil se lève. Il fait beau, la pluie a cessé. C'est une livraison parfaite. C'est une livraison parfaite. Moi je vais pouvoir aller au magasin me prendre un sandwich parce que j'ai faim et puis racheter des croquettes. C'est ici. Racheter des croquettes pour le toutou. Essayer de lui trouver un nom. Donc c'est ici. Ça fait Dex. Très bien. Très très bien. Hop là. Hop là.
Ok. Je vais... pas ça. Excusez-moi, baisser ma vitre. Discuter avec le bonhomme. Bonjour! Goblin Transport, exactement, oui. Oui, bah, je suis à l'heure. Bah, c'est parfait. Où je dois vous déposer ça là? Juste à côté, à quai. Très bien. Au moins, vous avez de l'espace dans votre entreprise, donc je vais pouvoir manœuvrer facilement. Merci à vous. Allez, c'est parti. Ouais, ça va être assez cool pour manœuvrer. Ça devrait le faire. On va se mettre à quai. Voilà. Est-ce que... Oui, si j'ai la place pour mon redresser là, non? Ouais, si j'ai la place, je pense. Ah oui, je fais pas les manœuvres comme un professionnel, hein. Mais ça va le faire. Merde, pardon. Ça va le faire si je pars dans le mauvais sens et le camion... Il m'énerve ce camion, je sais pas pourquoi. Il est à bout de sa vie. Il est à bout de sa vie, ce camion. Je refais la même erreur. Voilà. Ah, je sais pas, je te fais pas lourd. Hein. s'il te plaît, dans l'autre sens. Voilà, on essaie de redresser la cabine aussi. Et normalement, là... Dans l'autre sens. Voilà, on devrait être bon. Voilà, alors je voudrais bien me mettre propre pour finir. Et comme ça. Comme ça, on est plutôt droit. Mince, on est plus garé. Voilà. Tu vas voir comment on est? Eh, c'est magnifique, moi je trouve. Hein. Voilà, on est pile à quai et tout. Voilà, on est bien. On est bien, on va décharger tout ça. Et puis bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On est arrivé à l'heure, excellent, aucun dégât et tout. Ouais, franchement top, hein. On va peut-être passer niveau 13. Oui, monsieur, ça fait plaisir. Hop, et bah écoutez, sur ce, on va se laisser là-dessus. Puis on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle livraison. On ira sûrement voir la famille Chepchouk ou quoi. Ça sera sûrement avec un autre camion d'ailleurs. Et n'hésitez pas. Rejoignez le Discord si vous voulez discuter avec moi ou quoi, ou laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Et sur ce, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, bye bye!